Bimbillou comprenait en patois tout et rien dire. Voici le nom étonnant de ce parc qui abrite une collection pour le moins atypique. Au bord de la Dronne, dans cette cavité creusée par l'homme, les moines bénédictins puis jacobins ont séjourné avant de s'installer dans l'abbaye de Brantôme. Désormais, elle abrite des centaines et des centaines d'outils ou objets anciens. Ce sont des objets qui étaient de la collection de notre grand-père. Avec Tom, du coup, on s'est amusé avec passion à les restaurer un par un à la main et afin d'exposer la collection de Claude. Claude Martineau, créateur de la marque de camping-car Font Vendôme. C'est lui qui a amassé en quelques années ses antiquités, lui qui souhaitait ouvrir un musée autour des métiers anciens. Disparu prématurément, ses petits-fils ont pris le relais, découvrant notamment l'utilité, par exemple, d'une scie de long. Donc à l'époque, pour débiter des troncs en deux, une personne se mettait donc en haut et tirait. Il fallait être synchronisé avec la personne en bas afin de couper en fait le tronc posé sur la chèvre. Mais même restaurés ou nettoyés, certains outils ou machines sont encore un mystère. Avec Tom, on a encore des doutes sur certains outils et c'est pour ça qu'on invite même nos visiteurs à nous donner les noms exacts, les conseils, les utilisations. Ça serait avec grand plaisir de rencontrer certains d'autrefois qui savaient comment manipuler cet objet. Amateurs ou curieux sont invités à découvrir la collection du Bimbillou Park à partir du 17 juin.